Si moi je fais la tech, pourquoi pas vous? Avec mes équipes, nous définissons et mettons en œuvre la stratégie des données du groupe. C'est-à-dire que nous définissons les normes, mais aussi les solutions techniques pour mettre en qualité, protéger et utiliser de façon efficace, éthique et responsable les données du groupe. Nous nous assurons aussi des transferts des données du groupe, de leur archivage et de leur destruction. J'aimais les chiffres. J'ai commencé dans le commissariat aux comptes, quand on vérifie les comptes des entreprises. Puis je me suis orientée sur la gestion des risques et puis l'antifraude. Et je suis passée tout doucement à la sécurité de l'information, des applications et de l'infrastructure. Et en fait, le point commun avec tous ces postes, c'était les données. Avoir des données de qualité était clé pour réussir. En fait, c'est un enjeu clé pour toutes les entreprises et plus particulièrement pour la banque. Et c'est comme ça que je suis devenue Chief Data Officer. Ce qui me plaît le plus dans mon travail, c'est la richesse des sujets. Les données sont partout. On en a besoin pour maîtriser nos risques, pour optimiser nos processus, pour répondre aux attentes de nos clients, pour aussi créer des nouveaux services innovants. Nous sommes donc indispensables quelque part au cœur des préoccupations de nos métiers, que ce soit la banque d'investissement, les agences du réseau ou encore des métiers de l'assurance. En tant que femme, mon seul et unique conseil est de rester soi-même. En tant que CDO, il faut être très curieuse, il faut avoir soif d'apprendre. C'est un métier qui est en train de se créer. Il faut suivre les nouvelles technologies. Il faut être constamment à l'écoute de ce qui est en train de se passer sur le marché, chez nos compétiteurs et aussi à l'intérieur de la banque.